Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on poursuit notre Let's Play de Sea of Stars. Allez, on va essayer d'avancer un peu. Bon, on avait sauvegardé. On était arrivé jusqu'à là, c'était très chouette. Hein. On n'arrête pas de monter justement dans l'espace. Gumn, nous voici. Et oui, ça sentait le boss à plein nez. Oh. Là-bas, c'est... le catalyseur. Intrus dans le centre de commandement. Mode de combat activé. Ah, c'est parti. Wow. Tazel. Et comment ? J'aurais dû tout détruire. Ils sont 4. Frappe percutante, ça devrait vous faire du mal. Par contre, je pense qu'il faut d'abord que je m'occupe de ceux qui tirent, ouais, comme ça, les multiples. Est-ce qu'on doit pouvoir les casser tel que... Ah voilà. Ah non, il y a un autre truc encore. Un petit coup de vie comme ça. Parce que c'est que ce truc, mais. Ah, et c'est d'huile! Ça m'embête, j'aime pas une langue, c'est chiant. On n'aurait pas besoin de renvoyer le truc, ça serait mieux. Canon là, j'ai... C'est beaucoup ça. Changer. Est-ce que tu
tu me prévois comme ça, toi? Pas puissante. Non, on va garder ça. Allez hop. Troisième zone hein, je crois. Ah ouais non, il n'y a plus de mur, c'est bien. Ah, par contre là, il y a des trucs partout, donc... Si on fait ça, toi c'est quoi? On va la tenter hein. Je crois pas l'avoir vu. Ah c'est trop cool. Oh, excellent. Ouh. C'était violent. Pour l'instant il s'est aiguillé, c'est bien ça. C'est bien qu'il reste que eux par contre. Et il va se passer quoi après parce que... Prends une orbe solaire pour voir. Parce que je pense que les trucs vont se relever et de nouveau on va avoir le droit à tous ces mobs là. Allez voilà. Encore une fois, essayer de balancer des attaques multiples. Ah ouais, plein d'huile. C'est pas lui qui a... Ah il peut le healer lui. Ouh non. C'est embêtant ça. Et puis alors, c'est souvent. Faut faire quelque chose. Là.
J'aurais pas dû m'y prendre. J'aurais pas dû m'y prendre comme ça, pardon. On peut jouer, nous Il se heal tout le temps, en fait. Oh là là là, il arrête pas de m'huiler. Je sais pas ce que ça va faire cette histoire, non, de toute façon je vais faire une simple attaque. Oh là 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 là, je pense qu'il s'est healé totalement en fait. Alors, là faut tout envoyer. Mais d'ailleurs toi, non, toi tu vas changer. On va prendre toi plutôt. C'est tout. Non, toi tu vas le garder. Par contre j'aurais dû décaler ton attaque, je suis bête. J'aurais dû vraiment décaler ton attaque en fait. Un combat qui dure longtemps pour rien. Ah, ça a bien marché. Voilà. Et toi, tu vas nous faire un... Voilà. On va voir, tout à l'heure j'avais 114. 120. C'était 2 en 2.
Enfin, je sais pas, c'est... Ah! Pas assez, ça, rien, mais ça... Pff, oh là là, j'ai utilisé rien, là! Quel âne, j'ai fait une seule attaque Je vais me les faire un par un. Allez, c'est raté. Ah, super. C'est qu'ils attaquent souvent en fait. Ils attaquent très très souvent. C'est bon là. Très bien ça. Bon, je fasse gaffe. Hein. J'ai pas prêté attention à ma vie. Toi, il faut que tu changes tout de suite. Je peux pas huiler, c'est pas possible. Non, ok, ici. Toi, tu vas tout faire inutile, ça devrait tout finir, ça. Du heal et du dégât. Heureusement qu'il y a les ultimes, hein. Pas mort toi ? Allez, c'est parti, on donne tout cette fois-ci. Cinquante et un, c'est nul. C'est qu'il les récupère vachement vite en fait. Tout va bien.
c'est terrible. Et ce truc là, on l'a pas comment dessus, ce machin. Il doit être à l'intérieur à tous les coups. Je me rappelle maintenant. Le conservateur d'âme. Hein? Que s'est-il passé? Ça n'a pas d'importance pour le moment. Allons voir le module de console. C'est sûrement ça qui a créé les nuages, mais... Je n'ai jamais rien vu d'aussi complexe. Cédric, dis-moi que tu as quelque chose. Scan en cours. Négatif, niveau de chiffrement trop élevé. Je ne peux pas utiliser ça. Pistole ? Désolé, Sarah, nous étions des constructeurs et des magiciens. Les merveilles technologiques restent un mystère pour moi. Nous étions si proches. Je vous demande pardon. Un mot, si je puis me permettre. Regardez! Catalyseur est encore en vie. Noyau d'IA. Un moment, s'il vous plaît. Je ne suis pas méchant. On m'a obligé à agir dans le catalyseur. Contre mon gré. Et je dois dire que j'ai passé un horrible moment. Vous pouvez nous aider à arrêter les nuages? Croyez-moi, si je pouvais, je le ferais. Mais hélas, l'unique fonction de laquelle j'ai accès est celle utilisée pour lier les âmes aux machines. Cela dit, ma banque de données contient plein de schémas concernant la base céleste. Vous pouvez nous les donner? Je crains que tout ne soit chiffré. L'accès est absolument impossible. Ah oui? Et si je... Ça a marché? Il n'y a que des documents et plans complexes. Il n'y a rien qui explique comment fonctionne la console. Ces ingénieurs calés en technologie peuvent inférer la fonction du noyau sur la base du plan et schéma. Action recommandée, trouver quelqu'un de plus intelligent. Super. Et pourquoi pas Kael et ses amis du château magique. Mécanique, pardon. Ils sont plutôt doués dans le genre, non? Ça peut valoir le coup. C'est une piste. Ils peuvent peut-être aussi pirater le noyau d'IA. Vous venez avec nous. Faites attention, s'il vous plaît. Ok, il est temps de retourner un peu dans notre monde. L'entrée de la mer des étoiles est au sud-est des flèches sacro-saintes. Il y a aussi une station d'orbe à grande vitesse à proximité. Dépêchons-nous. Alors, on peut récupérer une orbe à grande vitesse ici dans le coin. Bon, là, il n'y a rien. Eh, hey, ça tombe bien. On se repose. Si, je vais peut-être cuisiner. PM. C'est bon ça, les yakitori. Et c'est parti, tchitchou. Des étoiles, ouais, je sais plus. Bande de données. Oui, c'est bon. Et non, non, il revient.
Alors, bah allons par là directement. J'avais pas moyen d'y aller directement. C'est là-dedans, là ? Je me souviens plus de cette zone. Le château mécanique, bah oui, si, ça doit être ça. C'est ceux qui nous ont aidés à trouver une arme surpuissante. Ah, c'est toujours aussi beau, là. La bouffe de la bouffe. Je sais plus où il fallait voir, peut-être tout droit, ouais. Je pense que je suis en train de monter là, je vais trop. Ah non, c'est là. Parfait, on est sur une petite sauvegarde. Bah écoutez, c'est parfait, on va pouvoir arrêter la vidéo ici. Je pense que c'est eux, hein. Voyons ça, ouais, c'est ça. Comment ça va? Au fait, mes condoléances. Si quitter le château ne signait pas notre arrêt de mort, nous aurions assisté à la cérémonie. Ce n'est pas grave, ne t'en fais pas. On a besoin de ton aide, Kael. Bien sûr, qu'y a-t-il? C'est une longue histoire, à propos d'une machine. Oh, j'adore les histoires. Les machines aussi d'ailleurs. Je vous écoute. Dans le monde de Serail... Blablabla, blablabla. Et reconnecter le soleil et la lune est notre unique chance d'éliminer l'hôte de l'effroi. Je vois, c'est pour ça qu'on a dû fabriquer autant de condensateurs. Et le cœur du catalyseur, je n'aurais jamais pensé le voir un jour. Je me demande pardon, mais c'est un noyau d'IA. Enfin, c'est noyau d'IA. Je n'ai aucun lien, de près ou de loin, avec le catalyseur. Nous savons que vous ne pouvez quitter ce château, mais nous espérions que vous pourriez nous aider. C'est possible, mais il nous faut du temps. Oh, et il me faut aussi le grimoire de légende. Tu n'as qu'à arracher les pages dont tu as besoin. Je ne veux pas prendre le risque de ne rien pouvoir noter pendant tout ce temps. On va commencer tout de suite. Vous pouvez nous donner quelques jours? Prenez le temps nécessaire, on en profitera pour rendre visite aux vieux amis. Allez-y alors. On sera prêt à votre retour. Ouais, je sens qu'on arrive sur la fin, là. Allez, tout le monde, on a du pain sur la planche. Remarquez que je dis ça depuis 15h. Et voilà. Accès autorisé. Ça a marché. Bravo, Kael. Et maintenant, on a aussi accès au plan confidentiel du catalyseur. Il faut tout extraire. On s'en occupe. Faites doucement, je vous prie. Berceline. Alors c'est ici que repose le cuisinier guerrier. Oui, il a toujours aimé cet arbre. Bah, il a raison, il était superbe. Un jour, il a utilisé la sève pour faire une confiture délicieuse. Garl faisait toujours en sorte que nous préparions quelque chose. Ça devait être un bon ami. Le meilleur.
vous dites que votre unique fonction consistait à lier les âmes aux machines. Tout était automatisé, je n'ai jamais compris pourquoi il fallait que je sois doué de conscience. Tout cela était très troublant. Encore une blague cruelle. Bien, vous êtes libre maintenant. C'est peut-être le moment de prendre un nouveau départ. Oui, cette idée est vraiment plaisante. Tu avais raison, tout se combinait aux pièces manquantes qu'on cherchait. Super, alors au travail, et que ça saute. La Myrte. Je n'en crois pas mes yeux. Si seulement j'avais discuté un peu plus avec Rechad, sa compréhension de l'alchimie est sans précédent. Ça vous fait mal quand on vous cogne ? Pas physiquement. Je le sens dans mon esprit, mais ma détermination est absolue. Très intéressant. Je devrais plaider en votre faveur. Aider ? À la fin de cette aventure, vous pourriez vous retrouver en quête de sens. Le moment venu, cherchez l'ancêtre de la brume. L'ancêtre de la brume. Ça devrait prendre que quelques secondes de toute façon, non ? Oh, je crois pas que ce soit une bonne idée. Allez, c'est pour la bonne cause, pour une fois. Vous avez vu les instructions. Ils ne pourront jamais reprogrammer la base céleste seule. Ils n'y arriveront pas. Vous savez que c'est le seul moyen. Vous faites ça pour nous et je vous promets qu'on vous donnera une nouvelle forme. Allez, voulez-vous qu'on sauve le monde ensemble ? Je suppose, oui. Très bien. En plus, notre concept est franchement pas mal. Vous verrez. Chargez-le. On s'en occupe. Bonjour. Je dors tellement mieux ici, Amirth. Ça fait plusieurs jours. Kael devrait avoir fini maintenant. Bien, allons le voir. Ok, on se retrouve à Myrte. C'est très bien, on va pouvoir récupérer pas mal de petites choses. Ouais, je sens que là, on arrive sur la fin. On avait plein de choses à récupérer, il faudrait qu'on aille voir dans les maisons effectivement. Et pas que. Il y a quoi là? Cherchons aubergiste. Ah ouais, j'ai toujours pas d'aubergiste. Ah dommage. Là c'est que des chambres. Ok. Ici une petite sauvegarde. Bon, dans tous les cas, on va sauvegarder vraiment pour une fois. Je vais donc vous laisser, vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne et agréable journée, une bonne soirée, une bonne nuit et je vous dirai à bientôt. Je vais peut-être faire le tour à Myrte si j'ai des petites choses à rendre. Mais je suis très fier de vous deux. Je crois que je commence à prendre en main mon rôle de sage de la ville. Enfin, toi, tu t'occupes de rien, toi. Parce que t'as décidé que t'avais pas envie. Oh. Pas honte. Non, non, il n'y a rien. L'auberge, faudrait trouver quelqu'un pour pouvoir le faire. C'est pas grave. Allez, hop. La petite sauvegarde qui va bien. Et à bientôt.